Hey, bien bonjour tout le monde, bienvenue pour l'épisode suivant, compagnie de Monsieur Epic. Comment allez-vous? Ouais, j'ai du mal à parler, là, tiens, d'un coup, j'ai vraiment du mal. Du coup, ben l'épisode dernier, nous avons commencé le minage, hein. Ça se voit tout de suite, hein, parce qu'il y a de la cobble partout. Là où que, en fait, le stone miner passe, il laisse de la cobble derrière, donc du coup, ben, on peut savoir où est-ce qu'il a miné ou pas. C'est bien d'un côté, c'est moche de l'autre, mais bon, c'est pas trop un problème, puisqu'on va upgrader le bousin. Alors, j'ai remarqué qu'il lui fallait énormément de cobalt, Donc, du coup, ce que je me suis fait, c'était une génération de cobalt. Alors, il lui faut forcément une pickaxe pour miner le sol, mais également miner pour faire de la cobble. Donc, du coup, ça s'épuise un petit peu plus rapidement que la normale. Bon, c'est pas trop un souci, sachant que derrière il y a largement ce qu'il faut en termes de bois, etc., même de combustible, ce qui est quand même plutôt pas mal. Sachant qu'il lui faut du charcoal pour fonctionner correctement, pour l'instant on va pas lui mettre un cap d'énergie parce que j'ai pas ce qu'il faut. Très clairement, j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. Donc, on va augmenter notre Stone Miner pour le mettre en bloc en fer. L'Iron Miner. L'Iron Miner, tout simplement pour être tranquille. Ce que je fais, je le pose là. Là actuellement il a une range de 1. Je lui mets le charbon nécessaire. Je lui mets la cobble. Au pire, on s'en fout. La cobble pour l'instant je peux la laisser. C'est pas trop un problème. Je mets ça et je lui mets ça. Tiens, hop. La preuve, c'est que il est en train de générer de la cobble. Bah ça, il est en train de tout remplacer. Mais à partir d'un moment, voilà, il va faire ce qu'il faut. En fait, il va remplacer l'andésite, etc., par le reste. Bien sûr, ça veut dire que ça va miner plus vite, hein. La preuve, maintenant, ça mine beaucoup plus vite. Cependant, son Iron Pickaxe est en train de descendre à une vitesse grand V. L'avantage et l'inconvénient, je dirais que bah ça perd plus vite. Bon, bien sûr, si c'est du bois, ce genre de choses, c'est pas trop un problème. Hop, si c'est de la terre, c'est bien, c'est la pelle qui prend le relais. Là, c'est la pioche. Voilà. Et il y a même de la redstone. On commence à avoir un peu de redstone, c'est plutôt pas mal, hein. Il faut dire ce qui est, c'est plutôt bien. Et là, actuellement, bah, vous voyez, on va atteindre la fin. Donc, le charbon, en fait, c'est bien d'un côté, cependant, c'est pas bien de l'autre. Pourquoi? Puisque actuellement, tout simplement, c'est au bout des 69, hein, en fait, il s'arrête et il mine plus. Il faudrait faire des upgrades, les fameux upgrades en iron. Bon, ça coûte un petit peu cher, faut dire ce qui est. Donc pour l'instant, ballon. Hop. Donc on prend ça et on pète ça. Alors pour l'instant, c'est assez chiant qu'il faut tout le temps péter, miner, péter, miner, péter, miner. C'est pas trop un problème au pire, puisque ça se fait plutôt rapidement, hein. Il faut dire ce qui est, ça va plutôt rapidement. Là, il est en train de faire du replace. Voilà, il y a la cobble qui descend. Bon, c'est qu'une cobble, hein. C'est pas rien. Mais on peut faire un générateur de cobble. On peut le faire de deux façons, soit avec extra utilité, soit avec cette génération de cobble là. On la fout ici et voilà, c'est en train de miner tout simplement. Ça va miner de la cobble une fois qu'il arrive à zéro, tout simplement, avec la lave et de l'eau, avec une pioche au milieu et hop, ça va miner. Pour l'instant, bah bien sûr qu'on va. Ça ne sert à rien de le faire parce que là, tout simplement, il commence à arriver à son stade où que on est à gauche 67. Donc du coup, il est tranquille. Bien sûr, 67, ça varie en fonction de la bedrock qu'il trouve. Il va pas miner de la bedrock, il va miner que de la cobble ou bah, tout ce qui est minerai en dessous, sauf la cobble et. Je crois que l'obsidienne il la mine quand même. Ah, l'avantage c'est qu'on commence à avoir des belles choses. Et du charbon, tranquillou, tranquillou. Voilà, il va atteindre sur sa version. Voilà. Alors, des fois je comprends pas, il se bloque à. Hein, peut-être parce qu'en fait il y a de l'obsidienne. Et l'obsidienne il peut pas la miner dans l'immédiat. Donc, du coup, il la remplace. Voilà, elle est finish. Waouh, cool. Hop, on récupère ça, on pète ça et on pète ça. Waouh.
Bon, en tout cas, tout ça, c'est fait. Si on mine jusqu'à la couche en bas, je pense qu'on va trouver, qu'on va trouver en fait de l'obsidienne. Donc, limite, il faudrait qu'on l'upgrade, qu'on le fout en diams. C'est bien, hein, moi, ça me dérange pas de le foutre en diams. Il faut juste en avoir du diams. Et là, c'est un petit peu le problème, c'est que je n'ai pas de diams. Je comptais sur la quarry pour faire ce qu'il faut. Ma foi, je l'aurai pas. Puisque tout simplement il faut faire ce qu'il faut. Donc du coup pour l'instant on va pas l'avoir. C'est pas trop grave au pire. On a juste à faire un petit trou comme ça et on continue. C'est pas trop un problème, on a l'habitude. Tac et tac. Voilà, c'est en train de faire son minage tranquillement. Ici ça va se remplir tranquillou. Là ça produit bien. Faudrait que je lui mette en fait une case, une case, oui, oui, forcément, une capacitor. Soit la capacitor tout simplement d'Advanced Generator, qui est plutôt sympa en fait, faut dire ce qui est. Attends, on peut la faire avec des EU, ouais, je préfère la faire largement avec des. Avec ça, ça coûte beaucoup moins cher, parce que ça en fait, ça bouffe énormément de bronze. Et le bronze c'est bien beau, mais ça bouffe que du copper. Copper Gold Redstone. Et ça, c'est juste de l'iron. Donc, du coup, c'est plutôt donné. Après, vous avez bien sûr votre basic capacitor ici. Alors, entre celle-ci et celle-ci, on va dire que celle-là est mieux. Hein. On va dire que celle-là est mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faudrait du copper. On va faire cuire un. La redstone, ouais, redstone bloc, je crois. On va en faire cuire un. Cependant, je vais le faire cuire via des sticks. C'est nettement mieux. Voilà. Voilà, deux sticks pour un copper. Waouh. Ah oui, mais cependant, il m'en faut quatre. Nyeh, boulet. Hop, il m'en faut trois maintenant. Oh, c'est gentil, tiens. Hop. Allez, m'en faut 3 de plus et on va être content. Sachant qu'il me faudrait un peu plus d'or. Parce que j'en aurais pas assez pour ça. Normalement, c'est bon. Là, j'ai ce qu'il faut pour m'en faire 4 comme ça. 4 x 4, 16. 2 x 4, 8. Oh, j'en aurais même eu largement assez d'ailleurs. C'est juste la redstone en fait. Je pense, en fait, je mélange que l'or est ici, la redstone est là. Parce que en fonction des packs que j'avais, l'or était différent. En fait, c'est juste la redstone là qui change. Voilà. Waouh. Maintenant, il me faut 4 de fer. Et je peux faire ma basic capacitor. Voilà. Bon, alors celle-ci est en fait, va falloir que je trouve un petit système parce que lui je pourrais pas l'ouvrir, c'est lui il est là. Comment faire? Celui va extraire obligatoirement, donc du coup, lui il faudrait que je le change de place. Ouais. Ah, il y a toujours de la redstone ici. En fait, il faudrait que je change de place. Bon, lui, je suis. Ouais, de toute façon, lui, il a fini, c'est tout à fait normal. En fait, je voudrais bien qu'il génère tranquillement. C'est un petit peu dur. Au pire, je fais ça. Je fais ça. Ça, je l'extracte. Ça, je le fous là-haut. Je fous mon capacitor. Voilà. Je lui dis d'insérer là-dedans. Je lui dis d'extracte là-dedans. Comme ça, lui, il va se remplir. Mais aussi que lui, en fait, il va générer tout ce qu'il faut. Et juste au milieu, en fait, vous lui foutez un petit câble. Tout basique, voilà. Comme ça, en fait, ça va juste faire le transfert tranquillement.
Lui il se remplit et du coup lui bah en fait il va se faire sa génération de base. Comme ça on est plutôt tranquille et du coup on aura un excédent d'énergie sans pour autant que lui en fait tombe en rade. Voilà. Ceci étant fait, hop, on pète ça, on repète ça. Et oui, c'est assez chiant au début en fait de faire ça comme ça, mais je n'ai guère le choix pour l'instant. On va faire ce qu'il faut largement. Tac tac. Voilà. Et ça va miner tranquillou. Voilà, ça mine tranquillement. Là, bien sûr, la cobble, il va en rester. C'est tout à fait normal. Du coup, bah, tout simplement, on mettra la génération de cobble. Un moment, il va stopper parce qu'il va dire j'ai plus de cobble. Donc, du coup, je lui mets ça directement. Et une fois qu'il aura la cobble, on va être tranquille. Ah, il a miné de l'obsidienne. What? Non, ça doit être du autre chose. Et voilà, là du coup, il va faire de la génération de cobble tout le temps. Et il va miner la cobble à chaque fois qu'il mine. Alors, est-ce que ça mine deux par deux ou pas? Ah non. C'est bien, en même temps que ça mine aussi là. Bon, ça va, c'est cool. Mais il faudra vraiment qu'on y passe en version évoluée qui est en diamant. Bon, bien sûr, le diamant pour l'instant. Eh ben, je l'ai beau. Hein, faut dire ce qui est. Oh, une belle génération, tiens. À quoi ça sert d'autre? Ok, très bien, on va pas s'amuser à ça. Par contre, pour le pain, je suis pas contre. Ça fait une très très grosse saturation. Limite, manger à la dernière morceau de viande vous régène tout en fait. Ah, c'est plutôt cool en fait. C'est plutôt sympa. Bah, il me faudrait un. Ah, tiens, un bout de pain de plus. Voilà, 3, un seul. Mettez là et là. Waouh! Ah, ça vous redonne en plus des flacons vides. Flacon vide qui ne sert à que dalle. Mais en tout cas, ça vous donne une sacrée saturation par rapport à ça. Donc, on va dire qu'en même temps, c'est plutôt pas mal. Ah oui, deux fois il faut. Qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Il est où le zombie? Zombie squelette, il est là. Hop, on va faire dodo. On va être tranquille. Alors, le minage, c'est bien beau. Bah alors? Hey, on va se calmer. Déjà. Non mais hé. Non mais le cheval. Ah oui, d'accord, il m'attaque lui. Tiens. Genre il m'a chargé quand. Ouh, très bien. Il m'a chargé quand il était mort. Très bien. Normal le cheval, tranquille. Le cheval c'est trop génial, ouais. Surtout quand il te fonce dessus alors qu'il est censé être mort. Alors lui. Eh bah tenez, on va faire ce qu'il faut. Voilà. Waouh. Eh bah c'est encore plus pété que je ne pensais. Ok. Bon, bah voilà, plus besoin de chopper, vous avez juste besoin d'une hache en fer, voilà. Et ça vous fait tout le chemin. Oh, c'est magnifique. Bon, très pratique après pour replanter le chopper, mais. Ok. Bon, bah viens là, toi. Ouais, j'ai retrouvé un remplaçant. Et un remplaçant d'une extrême. Violence, hein, il faut dire ce qu'il y a, c'est une extrême violence la machine. Donc du coup. Tu. Là. On va se faire une bonne génération de d'arbres. Eh, dommage que Steve Carp ne soit pas à jour. Hein. Ce même lui, tu vois, il se fait raser par le mode.
Eh, franchement, c'est cool. Hein. Moi, j'aime bien. Hop. La 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 la. Oh, c'est magnifique. Regarde, t'as même un arbre qui pousse. Tiens, tu vois? Je suis en train de faire la forêt amazonienne. Ouais. J'ai un peu bafouillé sur le mot. La forêt amazonienne. Ça doit être comme ça. Et bah, je suis en train de le faire moi-même. Donc d'un côté, tu vois, c'est super bien parce que je vais avoir une génération de d'arbres ultra pétés. Hein, sans trop rien faire en fait. Voilà. Bah c'est magnifique tout ça. Et vu que le mode, il y a un mode qui est installé qui est que les mobs ne peuvent pas popper sur les troncs d'arbres, même si c'est une zone spawnable, eh bah c'est pratique. Voilà, allez, amusez-vous, hein. Voilà. Bon, les os. Hop, j'attendrai que ça pousse, hein. C'est plutôt magnifique. Hop. Hop, ici. Ah, bah, l'avantage, tu vois, c'est que j'ai deux upgrades maintenant. Et les upgrades, c'est cool. Stone Chopper, je vais le foutre là. Les pommes. En dessous, ça je vais garder, ça me fait du bois, ça me fait ça. Ça, bah, du coup, fuck it, hein. La hache, elle est pas mal. Il me faut juste, en fait, du fer pour avoir des upgrades. Je peux en faire 3. C'est toujours mieux que rien, de toute façon, les upgrades, hein, il faut dire ce qu'il est. On dirait un bouclier, le machin. Hop. Et on se fout une grosse upgrade. Ah, oui, forcément, t'as plus de pioche. D'accord, j'ai eu la porte qui a fermé tout seul. Donc, on fait ça, on fait ça. Donc, un moment, tu vois, je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire comme j'avais fait par un temps, ça veut dire une génération de golems. Pour avoir du fer, parce que c'est très pratique pour avoir ça. Et du coup, on va être plutôt tranquille. Du coup, le charbon, bah, il va très bien. Hein. Tiens, je vais le foutre là-dedans aussi. Donc, au niveau du bois, on est plutôt tranquille. Tac. Ouais, bah, en fait, ça va. C'est sympatoche. Tiens, je vais foutre ça là-dedans. Tac, tac. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Comme ça, j'ai un truc bien vide. Voilà. Et du coup, là-dedans, bah, l'énergie va toujours aussi bien. Il y en a 200 000 en plus. Tranquillement. Lui génère tranquillou. Lui, ça se vide là-dedans, ça se voit parce que il y a plus de choses. Il y a un peu de tout, c'est ça qui est cool. Et lui, bah, il est en train de faire son minage progressif. Range 4. Donc ça voudrait dire que, en fait, il va s'amuser à faire tout ce qu'il faut. Pouf, pouf. Voilà. Bon bah c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. La cobble, je vais la foutre là. Bon bah voilà. Ceci étant magnifique. Lui il est en train de miner. Lui il est en train de faire tout ce qu'il faut. J'espère en tout cas qu'il va trouver du fer. Largement. J'espère qu'il va vraiment en trouver. Hop. Je vais le foutre là du coup. Tac, tac. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Genre, il a trouvé une torche. Ah! Ah oui, bah oui, mais. Oh mec, c'est bien beau de miner, mais il faut éviter de trop de miner la tronche par contre. Voilà. Oui, forcément, à un moment, il va miner mes galeries, ça va retrouver dans le noir et je serai dans la merde. Donc,
On va dire que c'est plutôt cool. Ah, bon. Bah ça c'est bien. C'est magnifique et ça mine plutôt bien, il faut dire ce qui est. Ça va, la pioche elle dure. Bon, elle dure pas non plus des siècles et des siècles, mais dans le principe des cas, ça va. Puis ça se voit ici que... Ah, ça fait du flint aussi. Oh, c'est cool. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre. Donc c'est comme une quarry, hein. Ça récupère très peu de charbon. Je sais pas par contre si l'enchant fonctionne dessus. Par exemple, si tu mets une pioche, un break et puis fortune, est-ce qu'il va te récupérer beaucoup plus de choses que rien? Ça, après, je ne sais pas, tiens. Ça pourrait être pas mal de savoir. Côté pain, ouais, d'accord, il faut que je fabrique du pain pour avoir des achievements un petit peu mieux. Tac, 6, 7, 8, 9, et je prends ça. Faut que je fasse du pain. Ah bah oui, forcément. Oui, si tu veux que je fasse du pain correctement, faut peut-être que je fasse un achievement juste avant. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Tuc. Waouh. Je l'ai fait. Puis après, waouh, je l'ai fait. Et après, pouf, ah bah je l'ai pas. Tant pis. Non mais en tout cas c'est cool, franchement c'est cool. Je vais quand même reprendre mes objets parce que j'aime bien avoir au moins un petit peu d'objets sur moi. Même si ça fait un peu trop de choses sur moi, c'est pas... Voilà. Ouais, j'aurais dû manger un pain parce que je mange un poulet alors que j'ai tout ce qu'il faut. Faudrait que je fasse aussi la génération de poulet. Ce qui peut être pas mal. Bon, par contre, il faut vraiment que j'aille miner un moment. Hein, parce que malgré tout, ça me ramène du fer. Cependant, vu que là, on a une génération un petit peu d'énergie ici, ça serait peut-être bien que je puisse au moins macérer mes minerais. Et pouvoir les cuire après. Donc, moi, j'ai envie de partir au lieu que ça. En fait, j'ai envie d'aller sur IC2 et en même temps Underio. On va un petit peu alterner. Donc, IC2, c'est bien. Ouais, IC2, pas IC2-1, IC2-I. Oh, l'avantage, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Ça fait 2. C'est un peu con. Ça. Faut en faire deux, mais plus en bas. Et ça, un seul, mais dans un compresseur. Faut une machine bloc. Faut du fer, et le fer, ça se refait cuire. Ok, donc ça, c'est pas trop un problème. Faut du tin. Faut du tin, de la redstone. Du tin à gogo, dans un câble avec un cutter. Un rubber. Il faut le cuire, il faut planter le rubber. Bon. J'ai pas tout ça. Ah si, j'ai ça. Peut être pas mal, tiens. Touk. On va faire dodo. On a fait dodo. Hop. Bonjour le soleil. Bonjour la forêt amazonienne. Ah, j'ai toujours du mal à le dire. Bon, bien sûr, hein, ça va pousser, 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 hein. Oh la vache, ça a tellement poussé déjà. Un bon petit coup de hache dessus, ça va tellement nettoyer les champs, ça va être magnifique. Cependant, je ne suis pas là non plus venu pour faire ça. Il me faudrait un peu de terre. Pourquoi de la terre? Bah, tout simplement pour bien planter mes arbres. Bah oui, il faut bien planter l'arbre. Ce qui va permettre, en fait, tout simplement, d'être tranquille. Pouf, pouf. Je reviens.